Nous sommes partie prenante et nous ne lâcherons pas prise. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? En dernier lieu, vous avez parlé tout à l'heure des hommes politiques et des personnalités politiques qui essayent de surfer sur des vagues. Ils l'ont fait durant toute leur carrière. Mais aujourd'hui, ils sont devant un tsunami, ils ne pourront pas surfer. Merci. Azul, tanemmirt ɣef fanect-agi n usirem, fanect-agi n tektiwin, d'an ar izaden. Si Ɛiwen Uɣilif, bɣiɣ ad ak-t-id-iniɣ baš kan ma yella wi t-yessawḍen sanda ara yaweḍ. Fransa ussan-agi ha-n ad ɣ-tettcekkir, nekkni nelha, neḥdeq, nessen, leɛmer daɣ ɣ-tettcekkir i wulac. Ay tebḥla s tiwraɣin d atmaten-iw, ɣas yaani je condamne la violence. La violence est condamnable. Le sabotage. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais d'athmathn le miséria, d'athmathn le mahyaf, d'athmathn le nagdi, tout le choix qu'il y a, il y a un nagdi, 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 il y a un نقول ما هو اللي شكر ناض تحول فوا كي الحاجه ذا خلينو ثقرد باللي هو شكراني ناض فيرس لا الحاجه صافي اما راه غير نزراره اخطر نكونيا اسمي بوتفليقه انا ماكرون سي لا ميم ميكروب سي لا ميم سي لو ميم ميكروب جو ميكسكيو دونك دو كي ذا غير لي في و غير لو كان ستادير لا تريبيون مي توفيرت اجوردي pour en parler comme vous avez beaucoup plus de d'aura médiatique vous avez beaucoup plus de plateaux vous avez beaucoup plus de tribunes j'espère vraiment que ce message puisse être porté nous ne devons pas être là à cause de ça nous sommes مثلا نخطر وهي اذا مثلا نو دي ثلاثة فنمرس الاخر كان مون امي ياك تنمير الزول تنمير تي وي قاعد يعرضنا مس طبو استزوارا باسكو تا دي دي مو اسي دي باسي اون بارلون دو لا ديموكراسي تزوارا اندايا الحاجه يقضى كل يا ساقي ثبضوا بيرسونال الكوراج اكتويلمون سوينا كي ضرا ندي جهه ولا شوي ساعه الكوراج ديال دار هذاك الدنيا دقفيلي نو ماني دقفيلي حسامي وضع ماكيست اللي داو كي دوار هذاكيا بيرسون اي سي دو ريميتر اون كوز الموفمون هيكي اكتويل بيرسون ميم توا توا ميم مستابو تا جامي سي دو ريميتر اون كوز ان تيل موفمون داخل اليونيفرسيتي نوحد نهضر في لي موداليتي سي با نورمال سي با نورمال نهضر في لي موداليتي داخل اليونيفرسيتي لي موداليتي دو موفمون سي با نورمال داخل مولد معمري انا نهضر في لي موداليتي دي موفمون اما سي با نورمال الفو لو ريميتر اون كوز هيت مثل اسكو لا كابيلي فاتي بيردر توجور اسكو اين دي دارون اين دي دارون س س س 1831 سي غارد دي دارون اسكو 63 ماشي دو غارد ديو على ثوره جو في با بارلي دو ليستوار سنو تما ستابو تحوزي كولا هيك ليستوار كي اون 2001 سي فريمون توشون اساغين T'as pas parlé de ton frère à Mestabou. C'est pas normal. C'est pas normal à Mestabou. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal à Mestabou. T'as pas parlé d'Ahmedou Yahya à Mestabou. En 63, c'est pas normal actuellement. Aïe, 19, c'est pas le moment. En 49, c'est pas le moment. En 45, c'est pas le moment. En 54, c'est pas le moment. En 62, c'est pas le moment. En 63, c'est pas le moment. En 80, c'est pas le moment. En 98, c'est pas le moment.
En 2001, ce n'est pas le moment. En 2011, ce n'est pas le moment. En 2017, ce n'est pas le moment. En 2017, ce n'est pas le moment. En 2017, non, on se sent toujours Algériens plus que les Algériens. On se sent toujours Algériens plus que les Algériens. On le cite, on le sait. C'est une création française. C'est une création française. Ça n'existe. Répondez-moi, s'il vous plaît. Si ça existe, une nation algérienne, n'importe quoi, madame, nous connaissons. Nous connaissons. Ça existe. Faut pas répondre, Camilla. Je vais respecter le timing de mes luttes, copinaire. Ça. Ça. صا هذا ضركني هو معليش تقي راه ديمقراسي نورمال ترمي صح الزلف اللي نسعي سيرت ديمقراطي داخل مود معلي ليميتي 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 صحي الزلف اثيف صراحه ضيا 6 سنين الى هنايا صحي صحي اسكو سا اكزيست اون ناسيون الجيريان. Est-ce que l'autre peuple algérien veut la même chose que le peuple kabyle? Il y a deux peuples en Algérie, il y a deux peuples en Algérie. Est-ce que les Kabyles revendiquent quoi? Les Algériens revendiquent quoi? J'ai aimé de voir la Mazir. La moindre des choses, c'est la Mazirité. Non, mais ce n'est pas le moment. أحيا لا كيستيون مسيو تيغري سيل فو بلي ضربة بيت دي سيكوند كيما سكو بيغي سكو بيغي ها الزول في réponds moi s'il vous plaît, est-ce que ça existe une nation algérienne? La nation algérienne avec sa c'est toute sa toute définition, la définition d'une nation algérienne, c'est pas mon pied. Est-ce que le peuple, l'autre peuple de l'Algérie, est-ce que l'autre peuple de l'Algérie revendique la même chose que les Algériens? Parce que marcher à Alger, Mestabou, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Dire un État islamique, ça veut tout dire. C'est merci nous. حسن يرزقي.
حسني اعملوش كمو رحمون سليمان ياكي ذا الصح معنا درابو ياكي مبادي كمل ترى ما دنقارو المايك اكسيتيرا المايك كي il faut pas oublier 2001 الغشيشو يضران داكي دي لا كابيليس تن كارناجي كضران نكوني لا دي لا سيتي اللي يسندي لي جون كشمن روح ديجا دارميين دينا تقان خرجونا نساكم يا القبائل اللي راكو رجال جامي تتسوق فهمو J'enseigne au département de lettres arabes pour proposer des formations de littérature algérienne. Nenerid, la littérature algérienne, elle fait partie de la littérature arabe. Nenesnela, et que faites-vous de Essia Djebbar, de Mouloud Mamri, de Feroun, de Ketb Yassine, de Dib? Eh bien, Nes, non, c'est la littérature arabe qui fait partie de la littérature algérienne et non pas le contraire. Donc, pour quelle Algérie annulons partir le système c'est une évidence. Parce que c'est dans le mouvement de l'histoire. Mais nous dans une transition. Il a qu'à se regarder avec une île à l'Ubhar parce qu'il faut laisser le bateau avec une île à l'Ubhar. Maintenant, donc, c'est mes zirs, mais où lèche, c'est mes zirs, où lèche. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à passer par un référendum. Soit que vous êtes, soit que vous l'êtes, car. Narmou lèche.
on doit se mettre autour d'une table et ne me sifhem. Et zlouyemma, zlouyemma. Il n'y a pas de problème. Kredou alors, Erbayen, awal novembre. C'est très bien de prendre Bayen awal novembre. Mais Bayen awal novembre, la bouddha en nakra ou min el bidaya il en yaya. Hunaka. الإعلان الأساسي أنه احترام اللغة وتم ذكر اللغة العربية الانتماء إلى الحضارة العربية الإسلامية والفضاء المتوسطي ثم الدين الإسلامي كمرجعية أساسية من بعد غرض أمكن تكملا أشو تكمل إنك هذه ليست حرب ضد الفرنسيين ليست حرب ضد الشعب الفرنسي ليست حرب ضد المسيحية سيتي كلير زرندا شلا خدمن تران كيش بي بوزي لا كيستيون البيان شيء الممارسه الثوره شيء اي مولانا نغوكسي كي ندير كيره القبيله كان نهرن سي سا تو دارك فوفو كنت دونك هذا وتعطي الغاره ادك ولي اقلي اوبجيكتيف بيان Allez, Bayan, Awal novembre, Awal novembre, une lecture sémiotique. On a trois fronts de l'histoire de l'Algérie. Le front de libération nationale, il a déclaré une guerre. Le front des forces socialistes, il a la guerre. Le front de le front islamique du salut, il a la guerre. Le Bayan, Awal novembre, il a déclaré une guerre. Sur un kiné, est-ce que je vais déclarer une guerre, Béchette Dawir? Il faut nous le dire. Il faut dire, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. C'est ça. Donc, à Dougal, le Bayan, au novembre, le Bayan, le Bayan, il y a des gens qui ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des choses. Ils ont été en train de faire des أنت حجفنا لك خام أنت حجفنا لك خام سي تو سا دونك ما ثوالي مبين أول نوفمبر ولو سبع سنين نين المحنة أمشي لانت هكا لا سبيسيفيسيتي ديال ليستوار نا ولا جيت أيور سي كو نكوني أوني أن بوبل ليبر تمازيغت ماشي لا لونغ كان سي أون ليستوار سي أون سيفيليزاسيون أدفنو سلكا هنا أدو غالية مذ فاطمة سومر مسعنا نيكزومبل دو سو دو فام ذي لسيفيليزاسيون عربو مسلمان أسن تفرو غاثناوي On est dans une expression libre, chacun il donne son point de vue. Moi, je respecte les points de vue. Lorsqu'on m'adresse la question, je réponds. Lorsqu'on exprime une opinion, j'écoute. Si je suis d'accord, je dis je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, on reste dans la démocratie. Quand on m'adresse la question, je réponds. Il y a beaucoup d'amis, quand ils interviennent, ils donnent leur point de vue. Je respecte certains des points de vue, je suis d'accord. D'autres, je ne suis pas d'accord, mais ils sont libres d'exprimer leur opinion. Ceux qui ont trouvé de l'intérêt à m'adresser à moi la question, je leur réponds. Je leur donne mon point de vue. À ce moment-là, il y a des gens qui sollicitent mon point de vue, pas le leur. Alors, je vais commencer par notre ami qui disait le mouvement citoyen. Bon, l'appellation, il y a des gens qui l'appellent mouvement citoyen, Hirak, révolution, je passe sur les détails, qui peut laisser quelques espaces à l'émergence de mouvements extrémistes. C'est le propre de tous les mouvements de contestation. Quand ils ne sont pas pris en charge par un bon encadrement et que les choses ne sont pas ordonnées, ils sont toujours sujets à manipulation, sujets à récupération,
sujet à émergence des extrémismes. Et d'ailleurs, le mouvement, il a quelque chose de particulier. C'est le fait qu'il a proclamé depuis le début, Selmiya Havaria. Ça veut dire quoi? Vous savez, le pouvoir, il a une technique particulièrement sophistiquée. Il met en échec tous les mouvements. Après 88, qu'est-ce qu'il y avait sur la scène politique? Il y avait d'abord des militants anciens qui ont fait la prison. Il y a des partis qui n'étaient pas agréés. Il y avait le Parti communiste algérien. Il y avait le Front des forces socialistes. Il y avait le PRS. Il y avait le PAGS. Il y avait le MDRA. Tous ces partis-là n'existaient pas avant 88. Ils existaient dans la clandestinité. Il y avait des cadres, il y avait des séminaires, il y avait des militants, il y avait des emprisonnements. Après 88, tout naturellement, il fallait donner la possibilité à ces militants d'exercer librement. Malheureusement, le pouvoir a fait quoi? Il a empêché la mise en place d'un processus démocratique sérieux qui soit mené par les vrais militants. Il l'a précipité dans des logiques de conflit, dans des logiques violentes. Parce que c'est un pouvoir qui a un art particulier de gérer les conflits par la violence. Je vous rappelle également 2001. C'est très important. 2001, après l'assassinat de Rahmar Bey de Guermah Massinissa, première manifestation, ce fut l'université. Après, c'est les lycéens. Après, c'est les blouses blanches. Après, c'est les robes noires. Après, c'est les femmes. Après, marche à Alger des partis politiques. Après, c'est la solidarité qui commençait à se faire. Marche des robes noires à Oran, à Constantine, à Alger. Et le pouvoir, quand il a vu que ce mouvement citoyen qui porte les germes d'une vraie révolution, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le détourne, il lui met un cachet, il le met dans une géographie et le fait échouer. C'est comme ça la technique du pouvoir. Mais c'est la technique qu'il a toujours utilisée. Et on nous impose par la suite un chapeau, le chapeau de gens qui refusaient la présence à l'intérieur des médecins, des avocats, des militants, des universitaires. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des étudiants, et je le dis sous le contrôle de mon ami, on était ensemble à l'université Belkacem, on était dans le même institut, là, Berksel, il est devenu enseignant, et on était là ensemble, comment on a phagocyté de l'intérieur le mouvement, on l'a vidé. Les premiers qui ont été victimes du mouvement qui a été fabriqué par le pouvoir pour faire aboutir à des négociations secrètes, ils ont chassé les enseignants de l'université Tizi Ouzou. Ils sont venus à l'université, ils ont agressé des étudiants. Et par la suite, progressivement, il y a eu des gens spécialisés dans la surenchère, spécialisés dans le populisme, spécialisés dans le biaouchera. Et ils ont fini par partir de l'autre côté, ils ont négocié et ils ont cassé le mouvement. Attention, Yejma, il faut ausculter de près, il faut regarder de près les mouvements, comment ils ont commencé et comment ils ont été mis en échec. Et par la suite, on s'était retrouvé avec quoi? On s'était retrouvé avec des gens qui négociaient à Azur Plage autour de Michoui et autre chose. Non, non, c'est pour cette raison, Yejma, on remet les choses. Non, il ne faut pas proclamer des procès. Il ne faut pas proclamer des décisions de justice. C'est comme si on est un grand tribunal, on est en train de hakma al-nas. Il faut voir quand même les processus, comment ils ont eu lieu. Je raconte, j'entends les gens, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, moi j'ai dit tout au début, la légitimité n'est pas un capital historique. La légitimité se construit quotidiennement dans les luttes qu'on mène au quotidien. Pour moi, c'est ça la légitimité. Elle se définit par les engagements quotidiens du militant, de l'intellectuel, de tout un chacun, s'il veut se construire une légitimité, c'est les combats qu'il mène au quotidien. Donc sur cette question-là, je vous dis, Nimertah, je n'ai pas de problème sur ça. Même si avec un recul en arrière, un regard en arrière, vous savez, la vie d'un militant, c'est semé d'erreurs, c'est semé de ratages, c'est semé de choses qu'on réalise bien, des choses qu'on réalise mal, des choses sur lesquelles on peut se tromper, mais c'est la nature humaine. Moi, je ne suis pas venu pour répondre aux questions en qualité de responsable du FFS. J'étais responsable du FFS, j'étais militant du FFS,
j'ai pris des responsabilités à l'intérieur du FFS, j'ai quitté le FFS, j'ai adhéré volontairement, je l'ai quitté volontairement. Après. Mais quand même, je précise, oui, j'ai été nommé par un grand homme qui s'appelle Hussein Aïd Hamid. J'ai été nommé responsable politique pendant des années. Moi, je ne suis pas là pour répondre en qualité de cadre du FFS. Je veux juste clarifier, et notre ami qui m'avait posé une question, c'est qu'à l'époque, il y avait une structure, la structure d'un parti politique, elle évolue. Et on était à l'approche du 4e congrès. Et on a réfléchi à l'idée d'élargir la représentation des jeunes. Au lieu que ce soit une représentation de section universitaire, on a pensé à créer deux choses. On a pensé à créer le collectif des jeunes et on a pensé à créer l'école de formation. Et on a dit, on va faire dans le cadre de l'école de formation politique et dans le cadre d'un collectif de jeunes, on va donner le plus de chances aux jeunes de travailler. Parce que la notion qui était posée à l'époque, est-ce qu'il fallait avoir des structures d'étudiants? Là, il faut avoir les structures de jeunes. Nous, on avait pensé qu'il fallait mettre en communion les étudiants avec les autres jeunes pour se former politiquement. Parce qu'en même temps, l'étudiant, qu'il soit dans la section universitaire, il est limité à son rôle à l'intérieur de l'université. Nous, on voulait que les jeunes du parti, mais qui ne sont pas à l'université, aient la chance de rencontrer des militants qui sont des étudiants universitaires pour partager avec eux la formation. C'est l'histoire qui va nous juger, c'est le parti qui va nous juger. Sur ça, moi, je ferme la parenthèse. Je ne suis pas là pour parler au nom du FFS. Je ne suis pas là pour parler au FFS. Je ne suis pas là pour parler des sujets qui concernent l'UFFS. Moi, j'ai quitté l'UFFS. Si vous voulez avoir toutes les explications sur ce parti, vous n'avez qu'à inviter les responsables de ce parti. Alors, passer à autre chose, autre que marcher. Oui, moi, personnellement, j'ai fait une vidéo, je l'ai balancée, quoique des amis m'avaient reproché cela. Moi, j'ai dit, au début, il fallait gérer d'une manière rationnelle son énergie. Jarvis à l'université. Zaram, quel est l'avantage d'être un syndicaliste à l'université que quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'université? Moi, je pense que c'est une précieuse expérience à l'université. À l'université, on était confronté à quoi? On a un problème, un Nijma Assemblée Générale. Il y a des étudiants qui disent, on va aller directement grève illimitée. Il y a des étudiants qui disent non, on va faire une grève cyclique. Il y a des gens qui disent non, on va inventer une autre manière de faire les grèves. Vous savez, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est une mauvaise chose. À l'époque, en tout cas, quand j'étais syndicaliste, on a créé ce qu'on appelle les opérations poubelles, Hachakoum. L'opération poubelle consistait à faire quoi? Elle consistait à réunir tous les étudiants, à nettoyer toute l'université, à mettre les déchets au bureau du recteur. À l'époque, c'était ça, ce qu'on faisait. Je ne vous le suggère pas pour le faire. Il y avait à l'époque également des étudiants qui aimaient la bouffe gratuite. C'est-à-dire, bouffe gratuite, c'est une décision. Il y a des gens également qui aiment les grèves illimitées. Moi, j'ai fait partie des étudiants qui disaient, quand on a une énergie contestataire, de contestation, il faut la gérer modérément. Il faut la gérer sur un planning. Quand les luttes demandent beaucoup d'efforts, demandent de l'endurance, il faut aller avec le volume que demande la lutte. Quand la lutte demande une grosse mobilisation, il faut recourir aux grosses mobilisations. Donc aujourd'hui, ça reste un point de vue personnel. Moi, je pense que la bataille d'aujourd'hui est une bataille de longue durée. Je ne pense pas que ce soit une logique « Erhal Mbad, c'est réglé ». Et je réponds à notre ami qui dit « On n'est pas dans l'impasse ». Non, je parle du pays, je ne parle pas de moi. Le pays est dans l'impasse, le pays est bloqué. Comment le faire avancer? On est exigeant, on veut en finir avec un régime ancien qui est le symbole du sous-développement,
qui a créé une crise à tous les niveaux, crise culturelle, crise économique, crise politique, crise de tout, toutes les crises. Crise, facteur, tu le multiplies par toutes les situations. Comment sortir de cela? Comment aller? Je vous assure, je m'en Zaram Bacho, ce qui devra faire, ou déjà ce qui devra faire, ça va demander beaucoup d'efforts. Peut-être, ça va demander toute une génération. Je vous assure que ce combat d'aujourd'hui peut demander toute une génération. Et le risque de nous consommer, nous, parce que pour arriver à mettre en place avec tous les instruments que demande la mise en place d'un État qui se proclame de la démocratie, des libertés, qui demande tout un effort, je vous assure que ça demande des sacrifices. Donc, comment passer à autre chose? Ça reste un point de vue également. Pour l'instant, les marches sont en train de fonctionner. Ils sont en train de fonctionner. Ils sont en train de faire pression sur le pouvoir. Est-ce qu'il faut augmenter de cadence pour arracher le plus de choses, passer à l'artisanat ou là des sit-ins, ou là rester un jour sur place? Est-ce qu'il faut choisir des lieux symboliques comme la présidence ou le conseil constitutionnel, et il faut aller là-bas et ne pas quitter, rester des jours et des jours? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire des manifestations de partout vers Alger? On peut imaginer tous les scénarios possibles. Le plus important, qu'on ait envie. Le plus important, qu'on soit conscient que le pouvoir ne va pas rester les bras croisés. Il va tenter. Il va essayer, il va mener des campagnes, il va discréditer les uns, il va soulever les uns contre les autres, il va créer le faux débat, il va créer plusieurs situations. Parce que le pouvoir, je vais vous dire pourquoi, il a besoin de recourir à tous ces procédés-là parce qu'il est dans le désespoir. Il est dans le désespoir tel que il va recourir à toutes les procédures possibles. Attaque sur les réseaux, attaque dans le débat, attaquons en utilisant toutes sortes de procédés. À mon avis, et ça reste un avis personnel, la priorité d'aujourd'hui serait de tout faire pour faire réussir ce mouvement. Après avoir... Non, je suis en train de répondre parce que madame, elle m'a interrogé, est-ce que c'est les marches ou là on va passer à autre chose? Et arrêtez de faire des réflexions insensées. Deuxième, parce que l'inquiétude est là. Alors, le pluralisme, je suis également, je l'ai dit peut-être aux Tzilimara parce que j'ai dit pluralisme culturel, pluralisme culturel. Je l'ai dit, pluralisme culturel, pluralisme culturel. Moi, je l'ai dit, moi, je pensais qu'il a fait une résonance, que les gens l'avaient entendu, je le répète. La question de fédéralisme, de régionalisation, de déconcentration, de décentralisation, de tous ces concepts-là, aujourd'hui, heureusement, qu'on peut faire des recherches, qu'on peut interroger des spécialistes, etc. Mais moi, je fais la différence entre la nécessité de mettre en place un système politique basé sur les valeurs démocratiques, sur les libertés, et l'organisation de l'État qui vient couronner une nécessité de mettre à profit, d'exploiter au maximum, de mettre en phase l'organisation de l'État avec la nécessité de chercher le bonheur et surtout une vie meilleure de la population. Tout va être arbitré dans un climat apaisé. Parce que quand il n'y a pas d'apaisement, une revendication de régionalisation peut aboutir à des logiques d'exclusion. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir un climat apaisé. Dans un climat apaisé, démocratique, on peut poser tous les systèmes et on peut en débattre. Repositionnement politique, je suis bien positionné. Donc, je n'ai pas besoin de me positionner politiquement. Je suis militant. Je suis militant, je me bats. Je me bats, je n'ai pas besoin de... J'arrive, hein? Non, j'arrive. Oui. Oui. Oui, mais... Non, mais je dis le principe. D'abord, sur le plan du principe. Sur le plan du principe, adopter le principe, même s'il y a 1%
de personnes qui épousent une autre religion. Il faut adopter le principe. C'est le pluralisme culturel. Mais le principe, il faut l'inscrire. Moi, j'ai dit que le premier, finalement, à avoir instrumentalisé la religion, c'est le pouvoir lui-même qui n'a pas arrêté d'instrumentaliser la religion. Et la meilleure façon de régler cette question étant tout simplement de ne plus laisser la religion entre les mains de ceux qui font les usages manipulatoires pour les besoins de pouvoir. Il y a des gens qui l'appellent laïcité, il y a des gens qui l'appellent, je ne suis pas obligé d'épouser les mêmes mots qu'épousent les autres. Moi, j'épouse l'idée, le reste, je laisse tout un chacun. Bien sûr, mais c'est ce que je dis, je dis une des choses. Moi, j'ai dit, une des choses essentielles à faire, si nous parlons de l'école, si nous parlons de la justice, si nous parlons de l'État, c'est tout simplement soustraire à tout endoctrinement religieux et idéologique. Soustraire les institutions à tout endoctrinement religieux et idéologique. Soustraire l'école, soustraire toutes les institutions à tout endoctrinement religieux et idéologique. Maintenant, si vous voulez que je répète vos mots restent vos mots. Mes mots sont les miens. Alors, se faire une publicité, moi je pense que ce n'est pas un produit à consommation pour que je me fasse une publicité. La révolution a commencé en 62, accélérer le processus de contestation. Oui, pourquoi pas, il faut trouver le moyen d'accélérer le processus de contestation. Je suis également d'accord avec notre ami qui disait pourquoi on nous donne l'âge de la majoration à 18 ans, mais on ne donne pas le droit de gouverner à 18 ans. Moi, je pense tout simplement que ce pays est arrivé à une situation où il a besoin d'une double fraîcheur. Il a besoin d'une fraîcheur physique, c'est-à-dire Insani doit avoir une fraîcheur physique, et il a besoin également d'avoir une fraîcheur mentale. La fraîcheur mentale, c'est être à jour avec la pensée actuelle, avec le savoir actuel, avec les instruments actuels. C'est ce que j'appelle la double fraîcheur physique et mentale. Sur le plan des relations algéro-françaises, moi je pense que je suis une des rares personnes à avoir, et vous pouvez trouver l'archive dans l'une des émissions que j'ai données à BRTV il y a une semaine, moi j'ai dit, c'est scandaleux que les officiels français continuent de nous considérer comme des populations inaptes à la démocratie. C'est un scandale qu'ils continuent de considérer que l'Algérien n'est pas compatible avec la démocratie, n'est pas compatible avec la modernité. Et d'ailleurs, toutes les déclarations des officiels français, souvenez-vous de cette déclaration de Sarkozy qui disait que si ce n'est pas Bouteflika, ça va être les talibans. Souvenez-vous de Hollande lorsqu'il disait « Je n'ai jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle ». Souvenez-vous de Macron, et moi j'ai lu un des entretiens de Macron, vous pouvez même le chercher, entre le premier tour et le deuxième tour des élections en France, il a donné un entretien au journal Jeune Afrique. Dans cet entretien, Macron, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je vais retisser les relations entre la France et le sud de la Méditerranée en me basant sur quoi ? Sur la jeunesse, sur les forces démocratiques, sur l'entrepreneuriat, sur la nécessité de libérer les relations algéro-françaises de l'emprise des réseaux pour les mettre au niveau institutionnel. » Ça, c'est une proclamation avant son élection. Et il vient aujourd'hui soutenir d'une manière éhontée, d'une manière injuste, un processus destiné à organiser, à faire le coup d'État contre une révolution, une vraie révolution des citoyens, de la population pour la démocratie, c'est se dresser tout simplement contre les principes même qu'il proclame. Remettre en cause le mouvement, oui, peut-être il faut le remettre en cause, il faut se remettre en cause également. Remettre en cause le mouvement, mais également il faut se remettre en cause.
faut pas se dire qu'on a toute la vérité entre nous. Je suis d'accord également, la littérature algérienne, malheureusement, vous savez, si vous remettez à la plateforme de 1980, le premier séminaire du MCB en 1980, il avait demandé quoi? Il avait demandé, un, la défense. Et ça, c'est l'histoire également. Mais le connaître de cette déclaration anti-Dara, il y aura des gens qui vont être contre. La déclaration du MCB, le congrès, plutôt le séminaire de 1980, il dit, on se bat pour le socialisme, on se bat pour les langues populaires et on se bat pour Tamazight. Vous interrogez aujourd'hui avec le monde moderne actuel, vous allez dire aux gens, est-ce que vous êtes d'accord? Ils disent, non, je ne suis pas d'accord. Il y a un point dans cette plateforme qui doit être revisité, révisé, mis à jour, rediscuté. Mais c'est ça le propre de l'histoire. Quand on cite des choses, c'est pour se donner à soi-même la possibilité d'améliorer et d'aller de l'avant. On n'est pas resté figé. On ne va pas rester figé sur un passé. On a le droit et on a le devoir de voir, de réviser, d'évaluer. À chaque fois, il faut regarder vers son passé, l'évaluer pour mieux aller de l'avant. Donc, bien sûr, je suis d'accord que finalement, la littérature algérienne, elle est très riche. Mais c'est la nature du régime. Vous savez, en 1980, qu'est-ce qui a déclenché les événements de 80? C'est le fait que les autorités avaient interdit une conférence de Mouloud Mamri à Terahmarbin à l'université. C'est à partir de là que le mouvement s'est déclenché. Et vous voyez très bien qu'à l'époque, et comme toujours, si nous arrivons à reconquérir cet espace, à lui restituer sa fonction, la fonction du débat, la fonction du savoir, la fonction de la libre circulation des idées. Lorsque vous donnez votre point de vue, je vous écoute. Lorsque je donne mon point de vue, vous allez m'écouter. On finit notre conférence avec le sentiment d'avoir accompli un devoir de débat. Nous avons débattu, vous êtes d'accord, c'est bien. Vous n'êtes pas d'accord, c'est encore mieux dans certaines situations. Et on va nous séparer dans de meilleures conditions. Le vendredi, on va nous retrouver dans la rue. On va nous retrouver en train de nous battre tous ensemble pour le départ du système, et nous allons donc le faire loin de tous les clivages. Voilà. J'espère avoir répondu, mais une question en fin de détail. Des fois, on a les ressources limitées, on est en train de gérer modérément nos ressources physiques et nos ressources mentales. Je vous remercie. Chers camarades, passons aux 15 derniers intervenants. J'appelle pour en finir,
si les choses se déroulent comme on le souhaite, comptez-vous vous présenter aux élections présidentielles après la période de transition? Merci. Rahman Salima. Rachid Waliti. Sur
Donc, initiateur de ce mouvement, de cet événement, organisateur, M. Kerim Tabou, auditeur, auditrice de cette conférence à Zouflaou. Donc, M. Kerim Tabou, je tiens juste à décréter par cette conférence le point de la majorité qui ne cesse de se répéter ou bien de s'éterniser depuis la nuit des temps. Donc, concernant cette majorité qui est toujours en train de... Pourquoi cela se répète déjà? Parce qu'on a pu observer, durant les événements chronologiques, par le temps, en faisant abstraction à 49 durant la crise berbériste, un Qaras, un Soufa français, et maintenant, un Lhoud Tamazir. 62, un Svdadavon, un Zahiri, un Lhoud Tamazir, Nadia Souassis. 80, et maintenant, Zaramakulien, un Chougdaran, Dagir, un Vitmour de l'Ekvaïl, un Vil Zahir. Snul Fenana, Tamsel Tegin, le Maroc. نتسنى هذا وسنو الفنانة دات هذا وذ المروك ثمازيغ ذا نرد يسواسيس 94 يبض دلاو النرفرا سيتي لا ديسيني نوار ثمازيغ ذا نرد يسواسيس 2001 لي جوننا لا جونس نا تمكارن ثرصاصين سيد مارين نسن اون ايتي دون اون سورت دو غير اون اي مالوروزمون يافي دي سبيكتاتور سور نوتر مالور مي ثمازيغ كي توجور ذا نرد يسواسيس 2019 أن سفارة هذا هو يجين بوتفليقة ويحيى وقاهي إلى نار ثمس ما تسمز يخطيك قارن أورد يسوسيس دونك بوركوا je me demande bien cette question déjà pourquoi parce que tout simplement ces unités régionales semblent représenter une sorte de menace à l'unité nationale monsieur Tabou donc concernant la question de la religion et la démocratie est-ce que la religion déjà est en ambiguïté ou en relativité avec une démocratie majeure et totalitaire à part entière? La question aussi de l'appartenance, parce que ils seront dans l'obligation de brandir le carte d'identité algérien, alors que nous sommes autochtones de ce pays. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous ne sommes pas des xénophobes, on ne rejette personne, mais on a soif de cette identité. Pourquoi à chaque fois quand on soulève cette question d'identité, il faut faire table basse et sourde oreille? Non, on se revendique en tant qu'autochtones de ce pays. Nous avons toujours été pour une démocratie majeure. Nous sommes ici des pionniers de la liberté. Nous sommes ici à l'université qui a toujours été un bastion de lutte, toujours à l'avant-garde de toutes les politiques et des guerres, que cela soit idéologique ou bien à la liberté de ce pays. Donc, en outre, tout ce que j'ai à décréter ici, si en 2001, 27 autres millions d'Algériens ont abandonné la Kabylie, en 2019, la Kabylie a répondu favorablement. Donc voici mes questions, Monsieur Tabou. La religion et la démocratie, liberté des cultes, où est sa place dans tout ça, l'appartenance et l'identité et le fédéralisme. Chers camarades, Azul Flaou. Bon, Mastabou, dès le début, vous avez tenu un discours de gauche, mais c'est juste pour vous dire qu'un homme de gauche ne change pas de costume chaque jour. Donc, c'est juste une petite remarque avant de commencer. Bon, après, je vais vous dire qu'il y a la déclaration du 1er novembre. La déclaration du 1er novembre, elle stipule que une fois l'Algérie est libérée, on va la mettre dans sa nature, qui est le monde arabo-musulman. Bon, je m'excuse, mais c'est la déclaration du 1er novembre d'Inan. Par contre, Shmid Hadarov, du monde musulman, vous avez oublié du monde arabe. Est-ce que c'était une question d'audace? Non, vous avez un petit dîner. Je crois que avec. Bon, je vais vous dire, une fois que
وستعرف ضارا سوين دينا لا ديكلاراسيون دو 1 نوفمبر ولا في شهر كوتي اي ارتو حضر بار اكزوم لا ديكلاراسيون لاروش ميم سي ديري تي لوين يخص نديس مي ريان نوبيش هضرون دافين دوني بلوس دو بروغاتيف او مير هضرون اف السوسياليزم هضرون ميم بلا كيستيون ايدونتيتي لا كيستيون تمزيغ تلا دي اون سيزيام بوا وتليار تمزور ناتشتيت مي لي سيزيام بوا دو دير زمرد مض بار كونتر بوكو ديكلاراسيون افون تصوض لك 1 نوفمبر ابري. Voilà, pour la deuxième question, vous avez refusé comment dirais-je, un rassemblement avec M. Zali, même si on sait que c'est un corrompu, mais vous avez refusé Zali, qui était un corrompu, mais c'est un jumeau avec Zitouni. Zitouni qui a sombré le pays dans la décennie noire. Je me demande. Après, vous avez parlé sur la solidarité avec les gens du Sud. Vous avez dit que c'est juste un marin à tâche et les gens du Sud contre le gaz de schiste. Nous avons publié le gaz de schiste. C'est quelque chose qui est nocif pour la santé. Mais rien n'empêche que vous avez été solidaire avec les gens du Sud. Mais par contre, quand vous étiez au FFS, la Kabylie est sombre, la Kabylie est sombre dans le chaos. Quand vous avez participé aux élections en 2004, vous avez été en meeting. Les Michelin où elle a été frappée. C'est qui, par exemple, c'était pas solidaire. Sans oublier en 2014, c'était un certain 20 avril 2014, la police, les étudiants, il y avait même un lycéen, et c'est 19 ans, lui pété un œil. Mais personne n'était solidaire avec lui. C'est merci. Monsieur Karim Tabou, quand le peuple a sorti, il a réclamé Jumhuriya Hora Demokratiya. Point. Il a réclamé une république des droits et des libertés, une Algérie plurielle, une Algérie unie. Cela, monsieur Karim Tabou, il a connu à l'Albène, au 1 novembre, il a conseillé à Noura l'Ouzi Moussin, 63 Midassa, Ouzi Moussin, 2001. Ou Moussin, il a connu à Moussin parce que voilà les failles, l'un des bains, au 1 novembre. دونك انتوا على راه كان الغرس ثرا مثلا والله الا قر خدم جمهوريه حره ديمقراطيه مبنيه على قيم اسلاميه اي غرس نخدم راه جمهوريه حره ديمقراطيه مبنيه على قيم اسلاميه والثقافه الامازيغيه اي غر الثقافه الامازيغيه نكون الى قرا اي غر ما دينيون العربيه انا العربيه نورمال ما دينيون الامازيغيه اشيني وقيف غادي فرق ثامورث خاطي لي دونتيتي نادي ذمننا. Merci. Donc, sur l'ingérence. Ce qui est en fait les pays étrangers, l'ingérence étrangère qui est en train de, en fait, de nous mettre l'étiquette d'une régence. Je dirais bien que d'après mes analyses, des analyses de discours que j'ai fait pendant des débats non seulement suisses, non seulement allemands et américains surtout, ils disaient que le destin du peuple algérien, le destin des Algériens est entre les mains des forces mondiales. Donc j'aimerais bien savoir, est-ce que vraiment les forces mondiales ont... comment dirais-je, l'effet extérieur, les variables extérieures ont un poids plus grand que l'effet intérieur qui est le peuple algérien. Autre chose, j'aimerais rebondir sur le fait que maintenant, on a dépassé la période de la conscientisation, la période aussi de la kabylisation de l'Algérie. J'aimerais savoir quelle est la prochaine étape. Est-ce qu'on aura la même Algérie? Est-ce qu'on aura un compromis? Est-ce qu'on aura aussi accès à des interventions vraiment démocratiques, comment dirais-je, un référendum ou d'autres interventions? Voilà. Merci. Donc, ma première question. Parmi toutes les solutions pour l'Algérie, qu'en est-il d'une potentielle réorganisation du pays en fédération? Vu les différences ethniques, climatiques et géographiques,
Donc, Monsieur Tabou, que pensez-vous d'une république fédérale comme solution pour l'Algérie? Une réponse définitive et concrète, s'il vous plaît. Concernant le peuple, s'il vous plaît. Concernant le peuple, ne sommes-nous pas menacés par la politique d'adaptation telle que nous avons l'habitude, vu l'histoire nous a prouvé que les mouvements où le peuple s'est rebellé, à chaque fois le mouvement a été détourné, et ne serait-ce pas profitable, et est-ce que réellement ce mouvement de dénonciation contestataire nationale n'est-il pas profitable aux marionnettistes? Je vais dire marionnettiste parce qu'il est hors de question à Dina Bouteflika. Ce n'est pas un zombie qui gouverne, c'est bien des marionnettistes. Ce n'est qu'une marionnette. Une autre question. Parmi tout ce qui empêche la brillance et l'épanouissement d'un pays, on ne peut nier les facteurs étrangers. Les facteurs étrangers, c'est-à-dire l'étranger, que ce soit l'imposition de la France à ce jour dans notre pays. Vous avez mentionné tout à l'heure le gaz de schiste. Nora, je ne savais pas que, personnellement, je ne savais pas que parmi les accords d'Évian, y figurait le fait que l'Algérie est un laboratoire en français. Et nous, des cobayes. Voilà, je ne savais pas ça. Donc, et aussi parmi les autres facteurs, l'imposition du FMI, Fonds monétaire international et la Banque mondiale, où l'Algérie est toujours endettée à ce jour, où l'État est toujours sous son emprise. Quelles seraient, selon vous, les solutions pour se libérer de cette emprise plus que considérable? Autre question. Si le système s'en va complètement, ou bien soyons optimistes, quand le système s'en ira, quelle garantie y a-t-il à ce que les remplaçants seront compétents? Car pour l'instant, aucune alternative concrète qui semble, émerger. Le changement émerge, mais il n'a pas de forme. Sinon, une autre question. Allons-nous nous pencher vers une politique économique libérale, c'est-à-dire capitaliste, la privatisation, peut-être à titre d'exemple, ou allons-nous plutôt opter pour une politique plus sociale avec des aides et des subventions, ainsi qu'un contrôle des ressources stratégiques par l'État? À titre d'exemple, Esmik Derbout, Filiqa Asmi Egulia Flehkoum, en 1999, il a fermé la Cour des comptes, qui s'occupait des enquêtes qui surveillaient. En fermant cette Cour des comptes, il a ouvert la porte à la corruption dans notre pays. Donc, j'aimerais savoir si y a-t-il une solution à ça, y aura un contrôle. Et ma dernière question, Monsieur Tabou, vous avez mentionné un fait concernant Ramtane la Mamra. Il est allé à la Russie pour recruter des hackers, étant donné que la Russie est connue pour son niveau dans le domaine informatique. Le timing. C'est ma dernière question, Jugurt. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous confirmiez ce fait. Je vous respecte énormément en tant que personne parce que vous êtes quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Vous dites toujours la vérité, vous vous amenez avec des preuves. C'est ironique venant de quelqu'un dont le nom est tabou, mais c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur, monsieur. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous nous reconfirmiez cette information, parce qu'il me semble que c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est un acquis. Ils sont réduits à ça, quoi, à ramener des hackers pour arrêter cette révolution. Ethan Mertinou, smahti matna. Bon, bonjour tout le monde, bonsoir. Je veux être direct et bref. Bon. Monsieur Tabou, le peuple dit non aux oppositions présentes. Ici, politiques. Aux oppositions politiques présentes en ce moment, dont vous faites partie. S'il dit bien non, parce qu'il croit que le système est l'image de son opposition. Donc, un système si médiocre, je pense que l'opposition est aussi médiocre. À mon avis. Donc, ça va imposer que l'étudiant lui-même
l'étudiant, vu sa place dans la société, s'impose comme leader de ce mouvement. Et j'aimerais rajouter une petite question. Cette question, elle sera directement personnelle pour toi. Est-ce parce que moi, je te vois comme un caméléon? Tu changes de couleur de région en région. Donc, est-ce que Kerim Tabou est bien un caméléon? Merci, Vin. Bonjour, Monsieur Tabou. Quelles sont vos convictions politiques? Êtes-vous un chaviste qui est la doctrine d'Hugo Chavez, ou êtes-vous un sociolibéral comme Jeremy Corbyn ou Mélenchon? Croyez-vous en votre intégrité et celle des probables représentants du mouvement citoyen afin de participer à l'élaboration de la phase de transition? On a vu des gens qui prônaient l'antisystème, mais qui avaient des casseroles par derrière, comme François Fillon, Nixon. Le système en place est une machine bien huilée qui grince en ce moment. Est-ce qu'au sein même de ce système, il n'y a pas un courant réformateur comme le système de Franco en Espagne, de Salazar au Portugal, de Xi Jinping en Chine, de l'Italie de Mussolini ou même du nazisme d'Adolf Hitler, où il y avait Adenauer au sein même du gouvernement? Je veux dire par là, est-ce que le système peut se détruire par lui-même? Est-ce qu'il peut être le grain de sable qui arrêterait cette magie? En ce qui concerne, à travers l'histoire, on a connu des révolutions qui ont réussi, comme celle de la Pologne post-communiste dans les années 90, mais on a vu des États-nations du temps moderne retomber dans la dictature. Et je peux citer le Venezuela d'Hugo Chavez, ou même l'Argentine de Perón et du Chili de Pinochet dans les années 80. Ne pensez-vous pas que la démocratie est un processus assez compliqué à instaurer, vu que la maturité politique n'est pas encore atteinte? Certes, il y a un souffle de liberté, mais je parle des valeurs à défendre, telles que la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre et la poursuite du bonheur, qui est le but de nos vies. Et deux dernières questions. Nous voyons la majorité des opposants critiquer, mais jamais parler de programme à initier, et jouent sur le sentiment plus que sur le rationnel. Quel est votre projet socio-économique si vous étiez élu dans un futur proche, dans l'idéal? Je veux dire par là de parler de votre feuille de route, le cap 2030, pour éviter la faillite dans 3 ans. Et est-ce que c'est trop tard? Où sommes-nous condamnés à vivre des prêts du FMI et des fonctions chinois? Le monde est en train de changer, c'est la dernière question, à grande vitesse. On a une Europe instable où il y a deux courants, les mondialistes et les nationalistes populistes. On a une Afrique subsaharienne en ébullition, en explosion démographique. On a un Moyen-Orient qui s'entre-déchire. Un conflit sino-américain qui redessine la nouvelle carte mondiale. On a le problème écologique, la fonte des glaces et le réchauffement climatique. Quel est le rôle de l'Algérie en tout ça? Les derniers intervenants, Hamda Bad, Sofia
Sadat, Bedel Hakima, Camilla et Azur Wardan, le dernier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les parties prenantes et présentes ici et qui ont contribué au bon déroulement de cet événement. Je tiens aussi à remercier quelques personnes qui m'ont pris mes questions, mais quand même, puisque je suis ici, je dois les poser. Donc, l'un de mes hobbies, c'est l'histoire. Et aujourd'hui, je vois que l'histoire est en train de nous hanter. Dans les événements chronologiques qu'a vu l'histoire algérienne, on a vu des crises majeures. Là où nous sommes passés à côté de la plaque. Je cite une. Ça protège. J'ai de grandes forces vocales, je peux très bien le faire. Je cite 13 bébéristiques de 49. Lorsque nos dirigeants d'hier, que Dieu les accueille dans son vaste paradis, ont cru bon de voir laisser la question de définition de la nation. Je dis bien définition de la nation. En dernier lieu, je pense que ça a été le dérapage qui nous a éjectés de l'équation algérienne. Est-ce que une autre fois, nous allons omettre cette définition avant de se placer dans la Nouvelle République? Une deuxième question. Puisqu'on parle de Nouvelle République et que vous êtes économiste, pouvez-vous nous donner un modèle ou une stratégie politique et économique pour la Nouvelle République? Et je vous remercie. Cette image ressemble exactement à l'image de notre Algérie. C'est l'image d'un sombre moment, d'une sombre place, pleine de lumière qui espère avoir que... Quel sera son rôle dans cette politique? Merci.
municipal en 90 et à la législative en 91. À où est-ce que il aura né tous les sièges qui peuvent le fils. Il disait aux autres, il y a le siège qui peut le fils. Il y a une partie de ce qui est. Mais ce qui est fait, il y a la démocratie de pièce sénatoire. Une démocratie de quoi il y a quand même ce fait un marra. Bon, deuxième question, mais c'est un bout de l'île d'Arrot, l'homme l'a marqué de nouveau guerre. Il peut se faire la déclaration à l'île d'Arrot, l'homme se défend de la finesse. فعلي بالحاج استقرار اللي تتخمط داير فعلي بالحاج استقرار يقص جنا ذاك تسكي ديال الشون ديموكراتيك علي بالحاج كي ديما مصطاب يخدم بوليتيك داخل الجامع وتخدم راه في كوينا ديال لي كونفيرونس بس علي بالحاج كي يخدم علي بالحاج كي يخدم اسمح لي علي بالحاج كي يخدم يخدم لون دوكترين مو يخدم راه لا بوليتيك هي 2000 فما مصطاب كي تقبل ديال لا طابلورون داك الوينات وكل ما كي لا سيتي نو دايسي تقرا سويكير تقارن شو يقول لي سيباراتيست ويقول لي طال اللي تري باليست اتسيتيرا اساكي ويقول لي شغل من ماشي من نقنا عبد الصومي الجيريا سلام على الديمقراطيه سلام على الديمقراطيه كي كما صابوا الى عنايتي صاحب ايزمر اطول مره